secret. Trois lolis rockstar, trois princesses magiques. Des filles de choc, héroïnes magiques au top. Princesses de musique pop. Peuvent vous réserver de sacrées surprises. Mais il y a quelque chose qui ne changera jamais. Mephisto et Praxina auront toujours le chic pour semer la pagaille. Pour Pauline. Merci beaucoup d'être venue. Hop ! À quel nom dois-je dédicacer cette photo ? À Monsieur le beau gosse super canon ? Voilà ta photo. Ah. Bon, maintenant, la séance de dédicace est terminée. Tout le monde dort. Oh. Dahlia, calme-toi enfin. S'il vous plaît. Oh. C'est parce qu'on doit répéter notre nouvelle chorégraphie pour le concert. On espère vous y voir ce soir. Ouais. Ciao. Oh, désolée, j'étais complètement hypnotisée par son sourire craquant. C'est la cata. Avec les dédicaces, on n'a pas une minute pour répéter. Et la choré est encore loin d'être au point. Pas de problème, on va s'enfermer au studio, mettre les bouchées doubles pour être prête. Et on s'en sortira très bien. On s'en sortira très bien. Ah, est-ce que tu as déjà entendu quelque chose d'aussi optimiste? Moi, ça m'écœure. Imbécile, bien sûr qu'elles sont optimistes. Quoi qu'on fasse, elles raflent tous les saphirs des Fédia. Oh, tout ça parce qu'elles viennent en aide à des terriens. Oh, franchement. Attends une seconde. Et si nous venions en aide à des terriens, nous aussi? T'as de la fièvre ou quoi? Réfléchis, tu les as entendus? Les princesses vont s'enfermer dans leur studio pour répéter. C'est l'occasion idéale de les battre à leur propre jeu et de mettre la main sur quelques saphirs. Comme ça, Gramor sera content et nous donnera enfin une récompense. C'était top, les filles, bravo, on a assuré. Vous peut-être, mais pas moi. Le dernier mouvement me pose encore un problème. Bon, bah c'est pas grave, on va le refaire encore et encore jusqu'à ce qu'on soit toutes parfaites, Iris. Plus on passe de temps à répéter, moins on peut se consacrer à notre vraie mission. Oh, mais non, tu t'inquiètes pour rien, Dahlia. On a largement assez de temps pour bosser nos chorégraphies tout en sauvant Ephedia. Tu es prêt, Mephisto? À nous de secourir un misérable humain en détresse. Oui. Et comment on en trouve un? Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que les princesses se tournent toujours les pouces jusqu'à ce qu'elles entendent quelqu'un pleurnicher. C'est dans mes cordes. Essaie d'avoir l'air naturel. Non. 25 centimes. Oh, Praxina, un homme m'a donné une jolie rondelle métallique parce que j'ai jonglé avec des cristaux. C'est génial. Ah, sympa vos costumes. Merci beaucoup. Oh, au fait, t'aurais pas des problèmes dans ta vie par hasard? Oh, laisse-moi faire. Humains de la Terre, nous cherchons une personne en détresse. Si vous avez besoin d'aide, veuillez vous adresser à nous immédiatement. Oh, descendez de ma voiture. Ne regarde pas ces gens bizarres, Jimmy. Étrange. Mm-hmm.
Ok, 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3. C'est pourtant pas sorcier, pourquoi j'y arrive toujours pas? Mais ça va rentrer, il faut juste que tu sois moins crispé, détends-toi. Mais comment tu veux que je me détende? Le concert est dans moins de 2 heures. Hé, hey, peut-être qu'on pourrait utiliser nos pouvoirs pour arrêter le temps. Tu pourrais t'entraîner aussi longtemps que tu veux. On peut faire ça? Non, désolée, il n'en est pas question. Oh. On va simplement répéter jusqu'à la dernière seconde et ça ira. Prête? 1, 2, 3. Oh, mais pourquoi nous ne trouvons aucun humain à aider? Comment allez-vous, messieurs? Hey, vous êtes qui, vous? Oh, nous sommes des bénévoles qui secourent les personnes en détresse. Vous semblez avoir du mal à pousser votre véhicule. Nous pourrions peut-être vous offrir notre aide. Bah si vous y tenez, on dit pas non, c'est sympa de votre part. On va avoir un saphir. Hey, nous n'avons pas fini de vous rendre service. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de voiture. Ah, et est-ce que ça nous vaudra un saphir? Non, mais ça vous vaudra ce joli bracelet. Ils ont pas l'air d'avoir besoin d'aide. Oh. Décidément, les humains sont insupportables. Oh, Prax, ton plan ne fonctionne pas du tout. Tu as une meilleure idée pour trouver un humain qui a besoin d'aide. Laisse-moi réfléchir. Oh, ça y est. On le fabrique. Ça doit pas être trop compliqué de créer un humain avec un problème, après tout. Oh, mais oui, voilà. Oui, je suis un pur génie, je sais, je sais. Nous allons unir nos pouvoirs pour créer un monstre qui piégera un terrien et ensuite, nous sauverons cet humain pour gagner un saphir. Oh. On est bien d'accord que ça reste mon idée, hein. Oh. Oh, oh, tu es trop mignon, toi. Oh, mais oui, quel magnifique monstre nounet. Oh, tu m'aimes toi aussi, mon beau. Alors tu voudrais bien me rendre un petit service. Va te promener dans la ville, trouve-toi une victime et ensuite capture-la. Maman? Non! Tu n'as rien compris du tout! Gros vilain monstre de cristal, ta victime était censée être un terrien pathétique! Oh non! Oh, ce n'est pas une terrienne pathétique! Enfin, ce n'est pas une terrienne! Alors libère-la! Ne t'inquiète pas, Prax. Je vais détruire cet imbécile de monstre pour te sauver. Une minute. Mais si j'attaque cette bête, je risque de blesser Praxina. Oh, il faut que je trouve autre chose. Tiens bon, je te sauverai, Prax. Même si je sais pas encore comment, je trouverai un moyen, je te le promets. C'est clair. Salut les filles! Nathaniel?
on est pressé, mais tu vas bien? Je voulais vous souhaiter bonne chance pour ce soir. Désolé, j'oublie toujours que ça porte malheur de le dire avant un spectacle. Les règles des terriens sont super compliquées, parfois j'ai du mal à suivre. Est-ce que tu vas venir au concert? Bien sûr. Et je me disais qu'après on pourrait aller boire des smoothies ensemble. Je vous invite. Ah oui, avec plaisir. Oh, Amaru a l'air d'accord. Super, ça marche. Vous allez être en retard. On se voit tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Iris, Talia, Oriana, Mandrake, sois loué, je vous ai enfin trouvé. Je te préviens, encore un pas de plus et tu finis en steak de hurlaton. Je ne vous veux aucun mal. Mon œil, ouais, depuis quand tu nous veux aucun mal, toi? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Votre aide. Un horrible monstre de cristal a attaqué Praxina et l'a faite prisonnière. Attends un peu. Ce monstre de cristal, qui l'a créé au juste? Bon, d'accord, c'est nous. Mais c'était entièrement l'idée de Praxina. Il devait capturer un humain que nous aurions ensuite sauvé pour gagner un saphir. Mais à la place, il s'en est pris à ma sœur. Je ne te crois pas une seconde. Cristal Veritus! Oh, il dit la vérité pour une fois. Peut-être, mais il n'a qu'à se débrouiller seul. De toute façon, on doit être sur scène dans 10 minutes. Oh, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Je ne peux pas libérer Praxina sans vous. Allez, Oriana, Talia, Iris. Oh, allez les filles, même Praxina doit bien avoir un tout petit peu de gentillesse au fond d'elle. Oui, un tout petit peu, mais vraiment au fond. Je vous en prie, je vous donnerai tout ce que j'ai. Y compris ce trésor. Une rondelle de 25 centimes. Je vois pas pourquoi on devrait t'aider après tous les ennuis que tu nous as causés. Médaillon. D'accord, maintenant on va t'aider. Talia, princesse de Xeris. N'aviez pas besoin de moi, j'aurais pu vous attendre sur Terre. On ne peut pas détruire cette créature tant qu'elle aura Nathaniel et Praxina. Tu as raison, il faut être prudente. D'abord, on la neutralise et on l'éliminera quand ils seront sauvés.
Bon, on va essayer de l'encercler. Hé, toi là, le gros dino tout moche. Kristen, pas de trop. Cristal Offensio. Croissant des Voltains. Oriana, Cristal Armura. Ouais. Bien, allons libérer Nathaniel. Tu viens? Merci, Iris. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci, merci beaucoup, merci. Bien, bon travail. Oh, j'aurais pu le vaincre tout seul, hein, mais... Tania, Oriana, faites attention! Ah te capture, Gramor me donnera certainement une promotion, donc j'hésite à intervenir. Mais on est ici pour libérer Praxina, tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais ce n'est pas comme si cette ingrate allait me remercier de l'avoir sauvée. Oh, Mephisto! Du temps, dis donc. Mais de rien, mademoiselle Politesse. Non, non. Bon, écoute, il nous faut un sort très puissant, mais impossible de le lancer tant que nos amis seront enfermés dans cette ceinture. Oh, mais oui, la ceinture. Mephisto, j'ai besoin de ton aide. Quoi encore? Cristal Dictus. On va lui retirer sa ceinture et ensuite on attaquera le monstre de toutes nos forces. Je compte sur toi, fais attention à ne pas blesser nos amis. Oh, au fait, tu n'as jamais pensé à Talia, Gramor? Oublie ce que j'ai dit. Tu es prêt? Attention! On y va! Maintenant, Cristal Rétrosion! Troncolus! Allez, faites que ça fonctionne. Cristal Sabrus. Nathaniel, je suis soulagée qu'il n'ait rien. Praxina va bien, elle aussi. Mais la connaissant, elle sera furieuse à son réveil. Bon. Même si t'as été un peu long à la détente, t'as fait du bon travail. Et toi, tu es bien plus redoutable que je ne le pensais. Oh, oh bon sang! J'étais sûre que ça arriverait. Tu ne vas pas essayer de me voler le saphir, rassure-moi. Non. Tu l'as mérité. Hein? Tu sais, si je n'avais pas prêté serment de t'anéantir, j'aurais été honorée de servir la future reine des Fédia. Oh. Je vais ramener Praxina chez nous avant qu'elle ne revienne à elle. Évitons de reparler de cette histoire, d'accord? D'accord. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Iris? T'as vaincu le monstre toute seule? Non, pas toute seule. Mephisto m'a aidée. Sans lui, le dino n'aurait fait qu'une bouchée de moi. Vous voyez bien qu'il y a du bon chez tout le monde, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie? Pourquoi j'étais en train de serrer un panneau dans mes bras? Tu te rappelles pas du tout? Tu faisais du vélo tout en écrivant des textos. Et là, bam! T'as foncé dans le panneau. Bizarre,
Je sors jamais mon téléphone quand je fais du vélo d'habitude. Et tu as bien raison, c'est super dangereux. La preuve, tu viens d'avoir un accident. Vous venez, les filles? On a un concert à donner au Stardome. Et n'oublie pas, tu as promis de nous offrir des smoothies. Oh, oh. Tout drôle de me battre aux côtés de Mephisto. Mais ce n'était pas si désagréable. Je me suis rendu compte que même s'il passe son temps à se chamailler avec sa sœur, il tient vraiment à elle. Malgré leur défaite, ces deux-là se serrent toujours les coudes. Pour le meilleur et surtout pour le pire.